Vous êtes déjà là? Je viens de faire un tour dans Barcelone avec la Mazda 3 et je pensais avoir été bien plus rapide que vous, mais non. Par contre, il me semble avoir vu certains d'entre vous se balader. Chouette voiture, non? Elle a un look encore plus compact, mais elle a gardé son style Kodo, l'âme du mouvement. Pour souligner le style de la Mazda 3, les concepteurs ont ouvert encore plus la partie avant. Il y a une ligne horizontale au-dessus du cache-phare anti-brouillard. Les phares redessinés se fondent mieux dans la calandre, en forme d'aile et accentuent l'effet 3D. La calandre plus proéminente s'intègre bien dans l'aile et accentue l'impression d'ouverture, de puissance et d'excellence. Attendez. Ça, c'est un visage qui a l'air de dire « Allons rouler, on va s'éclater. » Et maintenant qu'ils sont disponibles, on va allumer les phares LED. Mais il n'y a pas que le look. Grâce à ces clignotants fixés sur les rétroviseurs extérieurs, la Mazda 3 ne risque pas de passer inaperçue. Minute. Il y a une espèce de magie là-dedans. Je veux essayer un truc. Ça, c'est une belle couleur. Et celle-là? Celle-là? Ah, dur de choisir. Je prends celle-ci? Plutôt celle-là? Non, celle-là. Ça, c'est ma couleur. Soul Red. Je prends. À votre avis, quelles jantes alliage 18 pouces vont le mieux? Celle-ci? Ou celle-là? Les deux sont super. Mais je vais prendre les premières. Oui, ça fait bien. Eh bien, ils ont fait des modifications partout. Cette ligne horizontale a un effet séduisant et le pare-choc arrière est épuré et plus fringant. L'allure est plus généreuse et plus puissante. Petit changement et grand impact, si vous voulez mon avis. Maintenant, voyons à quoi elle ressemble en réalité. Oh! Wow! Toi et moi, je sens qu'on va avoir du succès. Jetons un œil aux fantastiques modifications intérieures. Voyez-vous-même, c'est juste devant vous. Peut-être que vous avez déjà noté quelques changements. Le cockpit est plus ordonné et plus aéré grâce à des effets plus contrastés et à une meilleure définition. L'affichage est plus grand et donc mieux lisible. Les vide-poches portières sont plus spacieux, il y a de la place pour tout. Et le nouveau design est plus cool et bien plus sobre. Mais assez parlé. Ok, ma fille. Il est temps pour nous deux d'aller faire un tour. Let's go! Faire la route ensemble, c'est un vrai plaisir. Conduite directe et améliorée. Mazda appelle ça Jimbaitai. Vous ne faites qu'un avec le véhicule. Et voyez le nouveau volant. Il est bien plus maniable. Les rayons s'amincissent aux extrémités. Ça permet une meilleure prise en main du volant et les doigts sont bien placés. Il y a même un volant chauffant en option. Il réchauffe les mains en hiver et agrémente la conduite. La console centrale repensée dans un design plus sobre est équipée d'un frein à main électronique. Une autre nouveauté bien utile, les porte-gobelets ajustables avec couvercle amovible.
ça crée plus d'espace dans la console centrale. Accrocheur, mais il ne change rien à la personnalité de la voiture. En fin de compte, ce type est plus fait pour conduire que pour parler. C'est donc ce que je vais faire. Et je suppose que vous êtes impatient de faire de même. Alors, à bientôt, amusez-vous bien au volant de votre 2017 Mazda 3.